Frédéric Blackberry, il effectue sa rentrée à mardi. Dans quel état de forme est-il ? Eh ben, le cheval, il est resté tranquille après le critérium des jeunes. Un mois, et puis il a retravaillé gentiment, et là il a retravaillé dur mercredi, et il vient de retravailler là, bien, il est bien. Après son critérium, tu avais senti ton cheval défraîchi. Est-ce que pour toi, maintenant, les accus sont rechargés ? Ah ouais, le cheval, il était défraîchi. Il avait fait une course dans le 15 jours avant, là, dans le semi classique, il avait bataillé ferme pour l'emporter, et puis bon, il a accusé un peu le coup. En plus, il n'y avait que 15 jours entre les deux. Donc le semi classique plus la troisième place dans le critérium, il était un peu fatigué, c'est normal, mais là, il est revenu bien. Alors ce semi classique, c'est visiblement un objectif parce que tu as mis les petits plats dans les grands, le cheval a travaillé ce matin, il a déjà travaillé ici en province. Est-ce que tu es satisfait de ce numéro et qui crains-tu en priorité ? Le cheval, ses concurrents d'habitude, hein, brillantissime, c'est les mêmes hein, en molle. Et puis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chevaux qui courent le semi classique mardi soir et qui n'aient pas retravaillé non plus, hein, à mon avis. Sans être spécialement un objectif, je pense pas qu'il y ait un concurrent qui n'a pas retravaillé pour arriver mardi soir à Vincennes. Hein. Donc, ça me paraît un peu normal que les chevaux travaillent. Donc c'est un objectif, là maintenant ils ont une course tous les mois, faut quand même être assez prêt pour courir ces courses-là. Hein. Alors Franck Ouvry est sur la touche, Mathieu Mautier, qu'est-ce qui t'a incité à l'appeler ? Parce que Mathieu, déjà il avait rien dans les molles, et puis parce que j'aime bien Mathieu, voilà, c'est pas compliqué. Et pourquoi pas toi Sulky ? À ce niveau-là, il faut mener souvent, après... Il y a de plus en plus de différences entre les gars qui courent tous les jours à Vincennes. Et puis moi maintenant je cours juste un coup de temps en temps, et puis en plus j'ai pas ce niveau-là. Donc, voilà. Alors là ce matin Mathieu est venu essayer ton cheval, c'était un souhait pour toi qu'il se le mette tout de suite très bien en main ? Oui, quand je l'ai appelé je lui ai dit ce que je voudrais c'est que tu viennes le prendre pour faire connaissance, parce qu'il y a deux, trois petits trucs à voir, et comme ça, voilà. Si on ne court pas bien mardi, si on est au galop, j'aurais pas de remords en disant que j'aurais dû lui faire prendre pour qu'il se le mette en main. Voilà. On se voile pas la face. Mardi, si ça se passe bien, il va être dans les trois. Dans les trois, oui, j'espère. Ouais. Le cheval a bien travaillé. Je trouve qu'il a... Je pense qu'il a progressé sur cet hiver. On a réussi à l'alléger un petit peu. Après, ça peut, au niveau parcours, il faut que ça se goupille pas trop mal. Quoi, voilà.